La douche quotidienne, un risque pour la santé, il se pourrait que ce réflexe soit à bannir de notre routine. Dans son ouvrage 24 heures dans la vie du corps humain, le médecin Antoine Piau nous explique pourquoi se laver tous les jours peut être mauvais pour notre peau. Plus de la moitié des Français se douchent chaque jour. Mais ce qu'on ne sait pas en effectuant ce geste, c'est qu'il est risqué pour la santé de notre épiderme. En effet, d'après Antoine Piau, il existe à la surface de la peau des millions de bactéries, virus et champignons qui nous veulent du bien. Un microbiome tout à fait bénéfique qui disparaît de 50 à 80% à chaque douche et met 24 heures à se reconstruire. Après lavage donc, notre armure de bactéries est fendue, des agresseurs extérieurs en profitent pour s'infiltrer et déposer ou favoriser mauvaise odeur. Peau qui tiraille, acné, eczéma. Bref, ça ne fait pas rêver. Évidemment, ce constat nous laisse sans voix. Mais quelle solution avons-nous pour éviter l'effet néfaste du lavage sur notre peau? Pour Antoine Piau, il existe plusieurs solutions: ne pas abuser des douches ou des bains, ne pas se frotter comme un cinglé. Oubliez les savons trop alcalins et les gels douches pleins de couleurs, de promesses et de cochonneries en tout genre. Vous l'aurez compris, modérez votre fréquence de lavage et choisissez un savon au nettoyage doux et au pH proche de celui de votre corps, 5 à 7, afin de préserver votre peau et vos bonnes bactéries.